Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 2h du matin, nous sommes le jour 9 sur 14 de l'hiver. La neige, douceur éclaircie, glaciale et neige. Pour prévision aujourd'hui, c'est magique. Et le foyer... Le foyer... Oh, bah voilà. Qu'est-ce que... Le foyer est bien vide. Bah, je m'attendais pas en fait, hein. À 2h du matin, comme ça, pile d'entrée de jeu de l'épisode. Gisèle. On quitte. Oh! Mais l'angoisse. Dans l'épisode précédent, Nadine s'est mariée et donc a quitté le foyer pour vivre avec son mari. Et voilà, maintenant que Gisèle nous quitte, c'est Hélène qui va venir assister au décès. Je suis désolée pour toi, Hélène. En ce moment, c'est la vie pourrie, quoi. Mais t'es contente! Y'a ta maman qui meurt! Ah oui, quand même! Bah oui, quand même! On pourrait supplier pour Gigi, mais bon. Voilà. Ma pauvre Hélène, ma pauvre Gigi. Ça, c'était... On le savait, hein, que ça allait arriver, mais je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement comme ça d'entrée de jeu dans l'épisode, quoi. Oh! Même Daichi va viendre! Oh, regardez! Petit Daichi va être tristoun! Ou alors il va démissionner, on sait pas trop. Bon, eh bien, voilà! Le foyer n'est maintenant résumé qu'à Hélène et ses deux petites filles. Elle a sourire, elle a... Oh, tout va bien. Bon, oui, ma mère vient de crever, tout va bien. Moi, bon, j'ai la pêche. Hein, vous voyez qu'elle est contente. Hein, donc, tu retourneras te coucher, ma jolie. Et puis, demain sera un nouveau jour, du moins, quand le soleil se lèvera. Et la faucheuse préfère regarder la télé. Parce que, bah oui, hein. Je pense que chez elle, elle doit pas avoir les mêmes émissions. Hein. Là, elle retourne dans le temps et se dit, mais qu'est-ce que c'était nul, cette série? Oui, alors il y a un petit bug de M6 et Commander. J'en suis désolée, la mise à jour est passée par là. Oh my god! Esther s'est réveillée! Bon, la faucheuse n'a pas voulu aller la voir. Donc Hélène, c'est ton boulot. Bah oui, je sais ma biche. T'as perdu ta maman. Notre très belle, très 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 belle Gigi a rendu l'âme et est partie rejoindre son Florent, ses parents. Et tout ça. Gigi fut une très belle héritière, très digne, très... Vraiment, elle était très très bien. Elle a élevé cinq magnifiques enfants. Hein, la preuve en est que Hélène est sublime, ma chérie. Est-ce que toi, t'as... Bah, tu as bouffé du miel, tiens, et tu vas retourner te coucher. Tu vas pleurer un coup. Bah non, elle va bien. Ok, je crois que Hélène, sans être non plus hein, mauvaise, j'ai cette impression qu'elle a la même maladie que Marguerite avait. Hein. Marguerite était complètement folasse et je pense que Hélène elle vient de perdre sa mère et qu'est-ce qu'elle fait? Ben... Ah, j'ai eu peur. Oui, ma Marguerite, en parlant d'elle. Donc elle vient de perdre sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est contente, donc tout va bien. Esther! Allez, c'est parti! Pour un petit coup de petit. Bah, encore un coup bah, à de lait, hein, parce que madame a sûrement faim. Dehors, ben, ça neige. Voilà. Je sais pas si elle travaille aujourd'hui, Hélène. On va aller voir ça. Elle travaille avec les deux enfants. Ouais, on peut pas encore appeler de nounou, hein, c'est pas encore autorisé. Donc, je sais pas trop comment on va se débrouiller. Est-ce qu'elle va. Non, mais le rancard, on n'est pas d'humeur. Enfin. Presque pas d'humeur. Mais laissez-moi toutes mes condoléances, je suis vraiment désolée pour toi. Désolée eux, mais c'est un garçon, mais les Sims, voyons. Allons prendre un petit déjeuner au restaurant, le France Gourmet, pour en parler. Non, ça ira, bah, tu seras triste aussi. Donc... Voilà, c'est... Et Bichette aussi, Eva, elles comprennent pas. Mamie, elle est où? Maman, tu m'avais dit que mamie était là. Ah bah tu sais toujours pas aller au pot? Oh là 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 là. Bon ben maman... Tu vas être occupée de ta grande fille après, hein, voilà. Hein. Ça va être compliqué pour toi, Hélène, je pense, là, en ce moment. Et Esther qui se remet à pleurer. Maman, elle ne peut pas s'occuper d'elle.
À un moment donné, ben laisse tomber ton assiette, Hélène. Hein, voilà, ta dernière demande de ton aide encore une fois. Elle a l'air d'être un peu relou, donc bon, hein. Esther devient une bonne amie d'Hélène, bah oui. Vaut mieux, hein. Elles vont se supporter pendant un sacré bout de temps. Tu as la dodeline, tu vas retourner manger. Oh là là, la pauvre. Tiens, tu vas manger et tu regarderas la téloche en même temps. Ça te changera un peu les idées. Voilà. Allez, ma belle Hélène, tout va bien aller. Ok. Il se passe un truc très chelou. On a Geneviève qui est rentrée dans la maison sans dire bonjour. Et puis, elle a été direct dans la salle de bain et elle prend un bain habillée. Je pense que c'est la dépression. Ou alors, j'ai un joli bug qui fait que Miss Sims ne se change pas de vêtements pour aller dans le bain. Eh? C'est beaucoup plus probable, ça. Regardez-moi le pauvre Daichi. Qui est triste. Peut-être qu'il était secrètement amoureux de notre petite Gigi, hein. Ce qui expliquerait son air triste. On sait pas. On ne saura peut-être jamais. Daichi est un mystère. Mazette! C'est déjà l'heure pour aller au boulot pour Hélène. La journée est passée comme ça. Et bon, bah, elle va laisser ses enfants aux soins de Daichi et je pense qu'ils vont partir automatiquement à la garderie. Mais bon, vous voyez, on peut pas faire autrement. Ah bah voilà, ne peut pas rester seule à la maison. Souhaitez-vous engager une nounou pour 66 flouzes? Eh ben non, parce qu'on n'a pas le droit. C'est seulement dans les années 80. Donc pour l'instant, eh ben, ils seront partis à la garderie. C'est l'anniversaire d'Esther! Ce que le temps peut passer vite. Mais oui. Elle va bientôt grandir, la bichette, déjà! Mon Dieu. C'est l'hécatombe dans la famille. Amélie Johnson vient de mourir. C'était la sœur de Florent. Voilà. Alors, promotion ou pas promotion? Normalement, c'est bon. Hein. Après, elle a été triste. Elle a passé toute son taf à. Oui, elle a eu sa promotion. Elle s'est morfondue toute la journée. Hélène a été promue humoriste, peut demander et gagnera désormais 4 simflouzes de plus par heure, soit 40 simflouzes au total. Tapis et mémoire, sa prochaine journée de travail commence à 17h. Oh, bibiche! Comment vont les petites? Elles n'ont pas bougé, je suis sûre. Oh, divertissement n'est pas au top. Ok, tu vas jouer avec la petite bichette. Voilà, tu vas lui faire un. Tu lui fais un petit câlin. Voilà. Ah non, il y a Esther qui s'est réveillée. Bah oui. Pile quand on doit faire quelque chose. Joue avec Eva. Et puis Esther, eh ben on ira la voir après. Et bon. Voilà, la maison est tellement vide aussi, c'est trop bizarre. Comme Dashi semble pas vouloir réparer la maison de poupée, le château de poupée. Nous le reconstruisons nous-mêmes, parce que sinon Bichette elle va être tristoun. Voilà. Ah non! C'est Arthur qui a cassé la baignoire. Ben merci Arthur, on consolide nos liens avec toi pour pas que tu te disparaisses à jamais. Toi ce que tu nous fais, tu casses les baignoires. D'accord, très bien, compris. Oh, regardez qui est venu cette nuit, de lui-même. C'est Florent, notre célébrité. Notre papa, notre regretté papounet. Eh oui. La dernière fois qu'il est venu, il a fait cracrac avec sa femme n'est plus maintenant. Bon, voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Oh, bah oui, Esther! Eh ben alors, hein? Tu vas nous casser les pieds, toi, je le sens, hein? Tu vas être particulière, hein? Donc, bah écoute, désolée, mais regardez, elle se lave encore toute habillée, celle-ci. J'ai un bug avec la mise à jour. J'ai un bug avec la mise à jour. Wouh! Eh oui, va t'occuper d'Esther. Ah bah non, d'accord. J'ai dit, va t'occuper d'Esther, hein? Ah non, mais arrêtez les fantômes! Vous êtes chiants, Arthur, tu sais pas t'occuper d'un enfant. Hein? Tu es mort avant d'avoir le tien. Hein? Donc tu nous laisses faire. Oh. Allez, ça va aller, ma petite Hélène. Maintenant, tu vas au lit. Hein. Tu laisses tes enfants dormir en espérant que tout se passe bien. Bon, Daichi, tu vas avoir du taf hein, aujourd'hui. Alors, ok, d'accord, ok, j'ai compris. Va aux toilettes, Hélène, t'as raison, parce que là, priorité à toi. Hein. Elle a déjà fait ta fille, donc c'est pas grave.
Et toi, tu vas aller après t'en occuper. Un Esther, hein, t'es un petit peu chiante. Tout petit peu plus chiante que ta sœur, quand même. Bon, une fois n'est pas coutume, hein. Daichi étant en presque dépression. Tu vas appeler quand même Lionel. Comment ça, conjoint? Mais ça ne va pas, Lionel, il s'est marié avec une autre. Ah oh bah alors, bah non, il est hors de question. Mais il est hors de question que Lionel soit marié avec une autre. Mais le MC Command Center, là alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Elle va être tristoune. Bon, c'est pas grave, elle va l'inviter, ils vont discuter de ça. De toute façon, il se passe rien entre eux pour l'instant, en tout cas. Donc, on verra bien ce que ça donne. Bon, Lionel est là. Tu vas pouvoir lui te plaindre et tout ça, te demander conseil et tout. Il sera d'une bonne oreille pour toi. Ouais, qu'ils sont mignons. Tu vas lui demander s'il est réellement marié. Ah, tu peux pas. Oh, tu peux pas. Il t'a même pas invité au mariage, hein, c'est un enfoiré, hein. Il t'attend pas, Hélène. Bah, en même temps, tu faisais ta vie avec quelqu'un d'autre. On peut dire que, effectivement, il s'est dit, bon, bah, moi, je vais me marier avec l'autre, là. J'ai rien d'autre sous le coude. Oh bah, d'accord, c'était brutal, mais ça y est, ils sont meilleurs amis. Et elle lui a offert un cadal rigolo. Au moins, ça la change un peu, et puis voilà, elle a un peu de meilleure humeur, et on va pouvoir lui demander s'il est vraiment marié. Parce que, non, pas regarder un film, mais s'il est célibataire, s'il est marié, va falloir qu'on remédie à la chose. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, je dirais même. Et t'es mariée à Eva. En plus, elle s'appelle Eva, comme sa propre fille. Tu vas le draguer en racontant une blague, et puis... Oh là là, et puis là, les deux qui pleurent, là. Oh, mon Dieu, les relous. Les gamines reloues. Oh là là, mon Dieu. Tu vas réconforter. Bah... Ah, et puis lui, il aime pas les gosses, hein. Donc il n'est pas prêt d'en faire avec sa femme, hein, tant mieux, ça ira. Mais va voir Esther avant ou pas, parce que Lionel, il est dessus. Oh, je vais être folle. Ah, je suis contente parce qu'il en rigole quand même. Ça veut dire qu'il n'est pas si mauvais que ça. Il dit, oh non, mais c'est rigolo en fait. Mais moi, je touche pas aux couches. En fait, c'est juste ça le délire. Mais je le comprends. Oh là là, ça se chamaille les deux, hein, bizarrement. Vous me faites rire, hein. Tu vas ouais. Oh, d'accord, aller aux toilettes. Tu vas faire une blague sur la mode. Tu vas éliminer sa journée. Tu vas l'enlacer. Tu vas lui faire des grimaces. Et tu vas aussi lui demander quand même s'il peut pas venir vivre ici quelque temps, histoire juste que voilà, vous êtes meilleurs amis, vous êtes super proches, et tu as besoin de lui, sachant que bon, ok. Il aime pas les gamins, mais quand même, voilà, il t'aime toi, et c'est l'essentiel, en fait, dans cette relation. Voilà. Et puis comme ça, vous pourrez vous renforcer vos liens, peut-être, au quotidien. Lionel vient emménager à la maison, regardez, en plus, il est OK. Et sa femme, on s'en fout. Et voilà, il fait maintenant partie de notre foyer. Et par contre, j'ai très peur d'une chose. J'ai vu dans son foyer qu'il y avait un enfant. Belle fille, c'est pas sa gosse. Non. Ah non, mais alors là, c'est pas vraiment pas fait exprès. Le drama qu'il y a eu chez nous, Raphaël, il a eu des gosses avec tellement de meufs. Ça commence à être complètement chelou. En gros, l'histoire qu'on a eue dans notre foyer, elle se complètement se justifie. Regardez Raphaël. Il a 5 enfants. Raphaël est un coureur de jupons. Donc Hélène a bien fait de le foutre dehors. Il a 5 enfants. Mais c'est pas possible. Il a eu Clémence. Notre Esther et Émilie. Alors, voilà. Bah, du coup, ça, c'est la fille de... de Nadine. Non, mais quand même.
Regardez, il a été partout. Et en fait, il a eu un enfant. Hein, mais l'angoisse. Mais ça doit être vraiment très bizarre parce qu'il a eu un enfant avec la femme de Lionel, mais. Et Lionel, lui, il a quand même pris une femme avec un enfant. Donc c'est quand même qu'il doit aimer les gosses, mine de. Mais lui, il n'a pas d'enfant. Ah là 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 là, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, voilà, il nous a rejoints. Et il va aider Hélène à faire sa vie quelque temps, en tout cas. Et j'espère qu'il n'a pas planté la graine chez sa femme. Sinon, Lionel est donc bien militaire, nouvelle recrue, carrière 1, hein, enfin échelon 1, c'est sympa. Du coup, je vais essayer de faire en sorte d'un peu de le faire évoluer. Parce que la carrière, je ne l'avais pas testée, qui est venue avec Stranger Things. Donc, je vais le laisser là-dedans. Et évidemment, hein, il va subir un petit relooking, parce qu'on est d'accord que c'est pas l'idéal. Enfin. En plus, il a pas une super réputation, tend vers le rouge. C'est neutre, mais quand même. Il est extraverti, déteste ses enfants et l'amoureux des chiens. Et je pense que Hélène est aussi extravertie. Voilà. Et en plus, elle est bien élevée, elle est responsable et elle est pitre. Donc, franchement, à part le trait qui déteste les enfants, pour moi, c'est un bon parti. Regardez-moi, il est plutôt beau gosse. Oh! Oh! Oh bah dis donc, nous avons deux blondinettes. Esther a vieilli. Oh, le thé est arrivé. Plus la peine se prendre la tête. Maintenant, on appuie sur le dé. Un, deux, trois. Et elle est charmeuse. Ta-na-na. La bichette, regardez-moi. Oh, que le kiki! Et nous avons donc deux blondes. Pour l'instant, c'est un 100% du score pour les enfants d'Hélène. Nous qui avons tellement eu de mal à avoir des blonds avant. Eh bien voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Non! Non, 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 tu vas pas voir Albert. Tu fais ce que. Non. Lionel, qu'est-ce que tu fais? Non, Lionel, tu vas aller faire un petit jogging. Ne peut pas courir pendant cette tempête de neige. C'est pas grave, tu vas me faire des exercices, des abdos, des pompes, re-abdos et pompes, hein, parce que comme ça, tu vas augmenter ton truc fitness et tu vas faire des étirements aussi, évidemment. Puisque si tu es dans cette carrière de militaire, je vais te faire un petit peu évoluer. Je pense que. Ah, si t'as quelques petits skills, pas beaucoup, mais t'en as. Tu viens à peine de débuter le fitness, donc on en est encore loin, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, Bichette? Sobo, elle a perdu sa mamie. Tu peux venir t'occuper de Esther, s'il te plaît, illuminer sa journée, la réconforter, tout ça. Bon, pour l'instant, elle a un look de merde, elle s'est changée la biche, elle a froid. Mais je suis ravie, punaise, on a deux filles de blonde, c'est limite inespéré, tout ça. Ça va, la fille? La rencontre des sœurs, attention, vous avez aussi au moins une sœur ou deux. Bah oui, en fait, je sais pas, mais je sais pas, il a eu tellement d'enfants, ce Raphaël, c'est tellement un coureur de jupons. Voilà, mais au moins vous serez. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Vous serez dans un bon foyer et aimé à votre juste valeur, les filles, c'est ça qu'il faut retenir. Oh, mais c'est mignon ça, Lionel. Tu vas discuter un peu avec Eva? Tu vas lui donner un bain, tiens, ça va renforcer vos liens. Lave-moi le cul, papa. Enfin, faux papa, mais elle sait pas, hein. Mais lave-moi les fesses et puis tu verras, on va bien s'entendre. Finalement, Lionel a annulé la mission bain. Mais pareil, elle aussi, elle est habillée dans son bain, mais il y a un souci, quoi. Bon, allez, les petites, elles vont aller au lit, hein. Parce que maintenant, faut pas déconner. Et puis, l'Hélène, tu discutes un peu avec. Ouais, mais j'avais pas vu que vous avez un petit truc rose entre vous! Ah, comme quoi. Comme quoi, il va se passer des choses entre Hélène et Lionel. Allez, vous pouvez toujours vous faire un câlin. Et tu pourras toujours dire qu'elle est magnifique, quand même. Oh, Hélène. Ah, voilà, on l'a, c'est ça. Hein, on va y arriver, on va y arriver. Vous allez vous faire un petit câlin. Voilà. Et puis vous allez au lit. Au lit, au lit. Par contre, toi, je t'ai pas trouvé de lit. Je t'ai pas attribué un lit. C'est pas grave. Tu vas prendre celui
De Mamie J, et puis ce sera bien comme ça. J'adore MC Commander qui est complètement cassé. Et puis Oli, ma belle. Ouais, arrête de parler, regarde, il est parti. Hélène, il est parti. Va te coucher, ma belle. Eh bien, c'est sur ces sages paroles. Et elle va se coucher sans se changer. Bah lui, c'est la même. Ok, donc j'ai un bug. Voilà, tout va bien. Que moi, je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà, on a encore pas mal avancé, hein. Mamie J s'en est allée et Lionel est venu aider Hélène à s'en sortir avec ses enfants. La petite Esther a grandi. Ça va commencer à aller très vite et je pense que pour le prochain épisode, peut-être qu'il se passera un truc entre elle et Lionel, hein. Et puis Lionel rompra avec sa femme pour se consacrer à sa belle Hélène. Comme nous tous. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et à regarder les petites pubs sur YouTube. Des très gros bisous, salut!